Hello à tous, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Il est 6h40 du matin. Petite péripétie du jour, je vous emmène avec moi. Là, je prends mon petit café, telle une adulte responsable du matin qui se lève super tôt et qui doit gérer ses mômes, qui doit aller à l'école. Aujourd'hui, ça va être les Bretons à Marseille. Je vais aller chercher Apo chez elle. On va aller à la gare. Et ensuite, on va rejoindre à Marseille Bouzy. Parce que Bouzy était à Monaco. Et Bouzy est resté dans le sud. On rejoint en train Bouzy. Et ensuite, ça va être freestyle total. On part pendant 3 jours. Apo va faire une vidéo de son côté. Et moi, je vais tout vous filmer. Vous vloguer un petit peu les jours où on est ensemble. Apo risque de vous faire une vidéo un petit peu dédiée dans son univers. Par contre, moi, ça va être un petit peu des conneries quand même. Hein. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. Valous dort et doit se dire, putain, elle me casse les couilles, elle dès le matin, là, elle commence à parler, elle est hyper active et tout. It's a life, baby. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. C'est parti, chez Léric. Monsieur. Laissez-moi. On est petites doudous là. Comme je vous ai dit, je devais aller chercher un pot. J'ai oublié mon sac à main chez moi. Donc on a dû retourner chez moi. Le train on l'avait à 7h40 et on arrivait à la gare à 39. Ça a pimenté le voyage. Je vais dire au bar, mettez-moi un petit déj 5 étoiles. Qu'est-ce que t'as pris de bon? Alors attends. Alors des gobelets, du jus de pomme. Ensuite chacun un peu son eau et ça fait trop stylé. Ça fait un peu bouteille de lait. Par contre, touche-le, il est con, je l'ai dit. Et figure-toi, j'ai acheté ça. J'ai un truc de bébé, il a l'air super bon. Et j'ai acheté ça. Ça c'est bizarre. Ouais, tant que ça se décongèle, on peut manger la petite purée et un petit carré de chocolat quoi. Bon app. Voilà. À notre train qu'on n'a pas raté. Mais on a une bonne étoile. Hein. Moi je me voyais déjà repayer les billets. En plus t'avais pas pris l'assurance. Je la prends jamais pour moi, je suis genre hyper sûre que t'as pris à l'heure. On sera arrivé vraiment à l'avance si t'avais payé ton sac. Bon, on sera arrivé bien, bien quoi. Ouais. Et le pire c'est qu'on a réussi à trouver une place. Bah c'est au moins 20 quoi. Ouais, au normal quoi. Et je t'ai dit, je vais en bas ou je continue? Tu m'as dit continue. Putain, ouais. Si on avait été au moins un, on l'aurait pas eu. Et là on va à Marseille. Marseille bébé. Et je suis jamais allée à Marseille, à part une fois, juste en coup de vent, quand on a loué une voiture, tu te souviens avec Bouzy? Non, moi j'étais pas là, c'était avec Doc. On n'était pas à Marseille même, hein. On avait juste descendu à Marseille, on avait loué la voiture à Marseille et après on avait été ailleurs. J'étais pris pour qui là? Je regarde un petit vol en hélico aujourd'hui. T'as déjà fait de l'hélico? Mais oui, aux Alpes. Ah mais oui, c'est vrai. On fait un pierre feuille ciseau et celui qui perd le pierre feuille ciseau, il paye. On va mettre Bouzy dans le truc. Ah ouais. Dès qu'on arrive, on lui dit. Terminus Marseille-Saint-Charles. Les Bretons à Marseille. Regardez-moi ça. J'ai pas fait exprès. Hein. On envoie une photo à Bouzy parce qu'on est genre super heureux de le retrouver et qu'il vienne nous chercher. Il nous répond ça en mode il est pas content. Du coup, je lui dis sois heureux, on te ramène la bonne humeur. Il me répond il y a intérêt. Je suis garé là, et puis c'est le bordel en van, je peux pas rentrer où je veux, je fais 2 mètres et c'est à 90 les parkings souterrains. Bon bah on va essayer de le retrouver hein. On a Marseille. Marseille bébé. On va rejoindre ma petite Bouze et on est clairement pas en Bretagne là. Il fait très chaud, là, il fait beau. On va rejoindre ma petite Bouze. Ouais, c'est toujours tout droit. T'inquiète, fais-moi confiance. Je suis contente, on va être trop bien. Le sud rend heureux les gars. Peut-être pas forcément le sud, mais le temps. Les petits criquets, les petites cigales, tu ouais. Vois. Non, franchement, je suis happy, c'est cool. Voilà un petit peu, on va rejoindre ma Bouze. Ça va être le trio de choc pendant cette petite vidéo. Et le pire, c'est qu'on a pris une chambre. On sera 3. Ouais. Nous on dort sur le lit double kid. Oui. On laisse le lit simple à Bouzy. Oui. On a pris une chambre famille. Mais non. Ça va ma petite Bouze? Je suis émue putain. Tu rêves ou tu viens nous chercher comme si qu'on était tes petites filles? Mais de ouf. On est ses enfants quoi. Comment va mon MP? Bah ça va super et vous? Eh il fait super beau là. Ouais ouais. En Bretagne il faisait pas beau? Si, oh, si, si, il faisait très beau. C'est chaud ouais. Vous êtes prête pour une aventure de fou? Oui. Un petit programme ou pas en tête là? Non. C'est freestyle. T'as mangé toi? Non, j'ai des petits trucs dans le van. Ouais, on y va. Ouais, on va au resto là. Quand t'es pas de Marseille, c'est chiant. Pourquoi? C'est le bordel. Les gens ils conduisent avec leur code de la route ici. Ah oui, d'accord, ok. On va manger? On va manger, on est arrivé à Cassis. Tu connais Cassis? Oui, oui, je connais. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez aussi. C'est hein. La ville du 13e amour de Apo. Mais non. 13e sur 32.
c'est le 32e. Ça me ferait plaisir de vous inviter pour ce midi. Mais non. Et ce soir? Bah ça, on verra quoi. C'est toi. Ok, ouais. J'invite ce soir, comme ça on ira manger un petit sandwich au bord de la plage. Dans ta vidéo, on était allé voir le Dodan le plus grand de France. Oui. Là, tu vas t'asseoir sur un cassis à cassis. Oh. Et tu peux dire assis sur un cassis à cassis. Avec une cassis. Avec un verre de fraises. Le cassis. Moi, j'adore être ici. Ah oui, hein. Là, c'est le top du top. Et là, on va bouffer. Allez, hop, santé. Hein. On dirait pas genre c'est une limonade de luxe. Oui, c'est vrai. Là on est bien, là on est super. Surtout que c'est Pidi qui paye. Là on est encore mieux là. Quand, ouais, c'est ça. Quand c'est pas toi qui paye, tu te régales encore plus. On a des pinces. On chine ? Oui, on chine. Santé. Bon app les loulous. Bon app. Petit thon. Avec du foie gras cuit, petite légumes là. Ouais, petit gratin de légumes. Patate. Et pommes de terre. Et pour la peau, salade. Chèvre chaud et frites. Là on se régale, moi j'ai pris pareil que Bouzy. Là on est heureux là. J'ai une photo Instagram. On va tous demander un verre de jus de cassis et on va s'asseoir. Ouais si tu veux. Il pond des idées à chaque fois très farfelues quoi. Un moelleux, quand il est servi en moins de 3 minutes, tu sais que c'est pas un bon moelleux. Bah après il a de la gueule hein. Ouais de ouf. Déjà on va vérifier. Vérification. Oh là là. Oh. Ça coule pas assez tu vois. Ouais, c'est gélatineux. Alors ? Il est fort en chocolat. Arrête. Ah, c'est bon. Le chocolat, c'est ma passion. Trop bon, moi j'adore. Non mais j'étais morte de rire. Hein. Oh, oh ouais, mais et, vous cool. Savez, la serveuse elle a dit excusez-moi, vous prenez des photos, vous êtes connue et tout. Et du coup Bouzy il fait bah non, on fait des vidéos sur internet. Et du coup il fait bah vous êtes qui? Et du coup Bouzy il fait ça c'est Pidi, moi je suis Squeezie. Et du coup la serveuse elle commence à faire ah c'est ça et tout. Du coup si jamais il y a des gens qui disent ouais vous êtes qui durant le week-end, viens on dit Apo c'est Lena Situation. Et Bouzy c'est Squeezie. Et toi t'es Natou. Apparemment, Bouzy connaît un beau spot là. Bah non, là c'est la plage, c'est Apo qui connaît plus là. Apo Cassis, c'est son terre-terre. C'est son QG, arrêté. Bah t'allais là-bas en vacances avec tes parents. Mais oui, juste une fois quoi. Bah on te suit du coup. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Je suis coincé. Arrête tes conneries. Si. Mais vas-y, passe. Tout le monde. Oh ouais, purée. Mais j'étais pas prête moi. Ah oui, il y avait beaucoup de monde. Let's go. Ah ouais, t'es trop forte. Attends, ma petite bouse. Oh là là. Oh là là, complicado. T'es souffle de ouf, un fou. On se prend des petites places. Est-ce que vous croyez qu'on va avoir... Bah trop lourd, ouais, parce que là, ils viennent s'enfiler un moelleux. Je vous dis pas le manège. Le squeezos. Ah oui, squeezos, allez, viens. Pas le mal de mer là-dedans, moi. On va faire du pédalo. On va essayer de demander si c'est possible. Ça va pédaler, hein. On va se perdre avec le pédalo. On va s'échouer là-bas, on va mourir. Je crois que j'ai jamais fait de pédalo. Ah, ah ouais, si, j'en ai fait. Non, moi si, t'inquiète, on gère. Les Bretons à Marseille. Générique. Je fais quoi? Je fais la meuf. Ok. Vas-y, refais, souffle, mais de plus proche de la caméra. Apo qui fait la meuf, le générique. On est vraiment trop cons. C'était exactement ça que je voyais en mode les Bretons à Cassis, quoi. On a réservé un pédalo. On va aller se changer. On va aller mettre le maillot. Et on va aller pédaler. T'as pas eu trop bouger, là? Non. Let's go to the pédalo. Ça va être trop bien. Oui. Par contre, moi je pédale pas. Viens, on laisse Bouzy pédaler. Hein, hein? On laisse Bouzy pédaler. Non, arrêtez. Non, c'est ça le problème. Regardez notre pédalo là. Ça va les gars? Ok, après. Ah, l'eau froide. Là, on fait moins les malins là. Ah oui. On va faire gaffe. Un clip. Un clip. Un clip de quoi? Un clip de musique? R&B. R&B, ouais. Chanteuse? Ouais. Ouais, chanteuse. Pardon? Non, pas beaucoup. Michel, 16 000 vues quoi. Non, il faut de l'autotune. Il faut de l'autotune, sa voix elle est pas terrible sinon. Ah voilà, d'accord. Let's go. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, vas-y, pédale. Mais on est pas bien là. Par contre, l'eau, t'as vu, elle est pas chaude. Hein. Il y a des abonnés, ils sont là en mode je vous kiffe. Du coup, là, on va où? On va en Corse? On va loin de la mer, je dois pisser. Ah, t'as fini de faire la star, toi? Mais je vais mettre ma pince. La star, de toute façon. Regardez comment on a fait le Tour de France, donc on connaît. Mais hé, Apo, ce matin, on était à Rennes. On a failli rater notre train. Oui! On a failli rater notre train à Rennes. Et là, on est sur un pédalo, quoi. Moi, je vais faire la meuf. Fais la meuf pour mon générique. Club, mais version Wish de Michou.
retombé sur un pédalo. Tu sautes, Bouzy? Mais non. Oh, elle est bonne? Bah oui, elle est bonne. Est-ce que vous êtes prêts pour un tour de toboggan? Wouhou! Eh, ça fait trop du bien. Arrête. Là, on peut plus se plaindre d'avoir chaud, là. On est bon, là, Pidi? Oui. Les amis, c'est au tour des filles d'aller dans l'eau. Elle est comment? Elle est froide. Elle est très froide. Je fais pipi. Ah, c'est jaune? Non. Si, c'est tout jaune. Wow. Mais je sais pas nager, moi. Oh. 1, 2, 3. Tu t'es bouché le nez ou je rêve? Oui. Je déteste ceux qui sautent et qui se bouchent le nez comme ça. Oh bordel. Ok, on est tombé sur des abonnés qui font du paddle. On va demander si c'est possible de faire du paddle. Pas dans le sens de l'équilibre. Mais je crois que pour apprendre, faut se mettre sur les genoux, non? Mais non. Ok, je fléchis les jambes. Allez, la bouse. Et j'ai l'impression que j'ai un balai dans le cul. Bah déjà, t'es pas tombé, quoi. Bah tu te débrouilles. Je dis, j'ai hâte de te voir dessus. Oh purée. Faut de l'équilibre. Ouais. Après, t'en as peut-être. Ah, mais ça va. Après, t'as peut-être de l'équilibre, hein. Ça va, non? Bah ouais, ça va. On veut te voir tomber dans l'eau, mais le problème, c'est qu'elle a les cheveux secs. Est-ce que tu peux tomber pour la vidéo? Que ce soit drôle. Bien joué. Je suis le roi du monde. Est-ce que tu peux venir vers nous? Oh. Non, mais vous tombez pas, moi j'étais tombé comme une merde. Oui, ça nous arrange. C'est vraiment à l'aide des connaissances. Je crois qu'on a un peu dépassé l'heure là. Ah, un tu peu crois beaucoup, ouais. Ça fait plus d'une heure là. Mais non. Salut. On a des abonnés qui arrivent. Ah ouais, c'est cool hein. C'est cool. Ah, je suis choquée. À ce point là. C'était trop bien. Par contre, ça a niqué pied le sable. Il y a du monde, imagine au mois de juillet là. Ouais. Petite glace. Ouais, il y a du monde là. L'avantage, c'est que s'il y a du monde, ça veut dire que c'est bon. Oui. Ouais. Petite saveur, moi je prends une stracciatella. Moi je prends une boule. Ah, mais à quoi? Je sais pas. Je rêve hein. Ah, moi t'as mon argent. Oui, mais du coup, c'est nous qui devons payer. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Je fais une inox là. Ça se régale ici là. Ça va être super gênant. Vous voulez passer un petit mot, c'est ça? Salut. Ça c'est à moi ça. T'as pris quoi toi? Pistache coco. Et pour la deuxième, le gros zoom sur la tête. La dame elle a vu qu'on filmait, elle a fait ouais je peux apparaître et tout, c'est pour ça on se permet de la filmer, hein, vous inquiétez pas. C'est pour ça, là, avant elle était méchante et là depuis qu'on la filme elle est gentille. Oh. Allez, bon courage. Au revoir. C'est Pidi. Mais non, Léna. Par contre, je tenais à dire, Bouzy il a pris les deux goûts les plus dégueulasses de... Dégueulasses. Coco et pistache. Oui, bah t'as non, aucun ouais, goût. Non, ouais, pistache ça va. Hein. Non mais je rêve, hein. On est en train de faire la photo sur le cassis là. C'est des Anglais qui nous prennent en photo. Take more photo, hein. 100 photos. It's okay? It's okay, thank you very lovely. Much. Thank you very much. Bye bye. Merci. Thank you. It's perfect. Il a vraiment dit, take more photo, hein. 100 s'il faut. Regarde-nous là. Parce qu'en soi, on peut dire qu'on est sur un dodan à Rennes ou à Bredune. Ouais, mais on mettra dans la localisation. Ouais, on mettra Cassis. Sur un cassis à Cassis. Eh, c'est pas, mais je la vois, moi. Tu veux que je t'aide? On est vraiment cons, hein. On est en train de me voir, là. Et du coup, je vais essayer de faire un plan en mode où je fais la meuf, j'essaye de me recoiffer, et vous y loue. Avant d'aller à l'hôtel, on va aller voir les grosses falaises, là. Oh, mais c'est pas possible, là. Un peu mince, alors. C'est énorme. Mais oui, ça pue, là. J'avoue que ça peut être archi dangereux, mais c'est super beau. On parlerait au Grand Canyon. Ah ouais, non, mais là, t'en prends plein la vue, là. Mais regardez, Bouzy, là, il y a l'impression que je fais un clip, là. Après le paddle, là, le mec, il m'a dit, le concert s'est bien passé. Mais non. Je te jure. Bon, go à l'hôtel. Petit hôtel 4 étoiles, c'est quoi? C'est Apo qui a régalé. Et on dort à 3 dans la même chambre. Oui, c'est vrai. Moi, je vous avais dit que Apo allait filmer quelque chose sur sa chaîne, mais moi, j'ai pas spoil, hein. C'est vrai? Bah non. Mais moi, je peux le dire, genre, c'est pas une surprise. Enfin, si, mais... Bah vas-y, demain, avec Bouzy, Pida nous 4, parce que Pida regarde pas trop la série, on va à Ici Tout Commence, voir les backstage, voir Monsieur Tessier. Pour tous ceux qui connaissent, ça va être super. Et du coup, ça sera les backstage sur la chaîne d'Apo. Oui. Et ça sortira vendredi prochain. Vous savez tout. Let's go to the hotel, baby. Let's go. On est arrivé au Spinnaker. L'hôtel d'Apo qu'elle a réservé, les gars, c'est le Spinnaker. Mais on va carrément bien dormir ici. Là, il y a des palmiers. On va être les rois du pétrole. Vous allez voir, j'ai pris une chambre
Pépites. Oh. En plus, apparemment, il y a une piscine, etc. Là, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller se changer parce qu'avec la mer et tout, on est plein de sel. Et on va aller manger. On va aller se mettre une minasse. Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer. Avec modération, bien sûr. Mais quand on est accompagné de son MP, on peut se la coller bien. L'hôtel 6 étoiles, il va voir 3 kékos arriver en clair. On va vraiment au camping. On est en maillot de bain. 3 tuches, on est les tuches. Les orteils qui dépassent des claquettes. Non mais c'est clairement cette image-là que j'avais, purée. Bon, t'as fini de prendre tes habits dans ton dressing là. T'as vu ces vêtements. Montre un peu le dressing de rêve. Ah ouais. Voilà. Ah mais c'est vraiment le dressing de rêve. Hein. Oh, oh purée. 3 slips, 3 chaussettes. Les tuches dans le sud. Acacie. On est plus Acacie là. On est où? Au Gros du Roi. C'est la base. Oh merde. Non mais regardez comment je me fais engueuler par mon MP. Alors là je peux vous dire que le contrat du meilleur pote, on était en CDD. Bah là il a rompu le contrat là. Il nous a mis la crème solaire et tout. Ah ouais, c'est en mode les filles, vous voulez des sucettes, je prends 50 euros là sur le compte en banque. C'est les 50 euros pour le week-end. Déjà de l'extérieur est c'est très beau. Ah ouais hein. En fait on est sur une presqu'île tout autour. C'est des ports. Enfin, c'est des bateaux sur l'eau. Et c'est un hôtel 4 étoiles à ce qui paraît. Comme quoi la peau est généreuse, je savais pas. Bah, ouais, mais c'est toi qui paye le resto ce soir. Ah bah j'ai pas pris ma sacoche. Bah c'est tout bien. T'avais tout prévu. J'y crois pas. Moi aussi j'avais tout prévu de pas la prendre. Bah c'est parfait ça. Ouh, ça s'ambiance. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh purée, merde! Ah, bah c'est pas mal, celui-là! Bah ouais, c'est pas mal! Y'a pas des doubles? Bah si, je pense là-bas! Oh! Mais on est bien là! Avec une petite terrasse et tout! Ah, je l'avais demandé, je m'air! Ah, oui! Les arbres, quoi. Et en vrai, c'est Cali là! Il est pas mal là! Mais par contre, Apo, qu'est-ce qu'il fait dans notre lit lui? Bon, ça va! Bah, Fram, c'est à la douche, moi j'y vais! Je vous dis à tout à l'heure! Faites du slip là ou quoi là? Non, mais moi je sors de ma douche! Arrête! Mais c'est boîte de night ou quoi là? Au Gros du Roi ou au Cap d'Agle? On est ready pour aller manger. Moi je prends pas mon sac à main parce que de toute manière c'est Bouzy qui paye. C'est parti, on va manger! La petite Bouze. On va en discothèque? Est vraiment en train de chercher sur Google discothèque. Le mec a 30 ans quoi. Non! Mais. Oui voilà, sur Google boîte. Boîte de nuit! Pile, imagine, dans ta vidéo, on se retrouve en boîte. Improbable. Et Bouzy va faire ça. C'est fermé, c'est fermé. Je pense pas comme ça, c'est ouf que je dis. Arrête, non. Qu'est-ce que je vais prendre, sachant que c'est Bouzy qui paye. Gambas. Tu regardes le prix avant le plat. Santé. Santé. Chine. Santé les pétasses. Santé les loulous, moi j'ai pris un petit mojito fraise. C'est ouais, d'autant plus meilleur quand c'est pas toi qui paye, hein. Vous savez pourquoi il y a deux pailles? Pour jouer encore plus la gueule. Ah ouais? Pourtant comme on a deuxième. Ça tombe bien, c'est Bouzy qui paye. Tout à l'heure on a eu une petite lubie de se faire un tatouage. Spoiler alert, ben je sais pas si ça va être fait ou pas. Chatouni ne m'en veut pas si jamais ça va être fait. Et en fait on a essayé d'appeler Septatou, sauf qu'il a pas répondu. Du coup appelons-le. Au pire si on va pas en boîte ce soir, ben on lui demande qu'il nous le fait ce soir. Allez, t'as peur là, tu stresses hein. Oui, bonsoir Septatou. Ouais, bonsoir. Bonsoir, j'ai eu votre numéro sur Google. Ouais. Et du coup, c'est possible de se faire tatouer demain ou pas? Ça dépend de quoi. Moi, je veux faire une petite vague. Ouais, parce que je surfe sur la vague. Et on est 3. Vers 10h, c'est bien? Plutôt 11h. 11h. Et ça prendra combien de temps? Parce que nous, après, on a un rendez-vous à 12h45. Et après, là, l'après-midi? Bah, après 12h45, ça dure toute la journée, quoi. Écoute, je peux t'envoyer, je peux te confirmer ça par SMS? Bah, ouais, pas de soucis. Nickel. Voilà, super, merci, à demain. Bonne soirée. Merci, toi aussi, au revoir. C'est gros charo lui. Moi c'est moi qui appelais, jamais il me donnait rendez-vous. C'est la carte des vins. Par ça. Je suis déçu, t'as pas dit c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est qui là? Ouah. Affaire à suivre. Mais en vrai, le joke il est bon. Synonyme de boîte bon. De nuit, discothèque. Macumba. La boum. Vous savez que j'ai déjà fait une boum en 6ème. Genre je vous invite à ma boum. Moi j'avais ma boîte de nuit moi, quand j'avais 18 ans, elle faisait aussi pour les pré-ados de 11 à 18 ans. Je rêve où elle tire son cocktail, puis d'aller déjà bourrée. Arrêtez. Tout le monde va dire en commentaire. Ouais, tout le monde. Mais de ouf, parce qu'en fait, dès l'instant que je suis joviale et que je suis un peu en mode à 100% de batterie, ouais. Tout le monde dit ouais, puis dis, elle est bourrée, nanan. J'ai juste la joie de vivre, ma petite Bouze. Ça va, les loulous? Petite sole meunière, levée, avec de la purée de pommes de terre. Oui, mais je tiens à préciser que Bouzy a demandé plus de purée. Regardez ce que j'ai en purée. Ouais, c'est vrai. La sole, c'est mon poisson préféré. Ma mamie, elle m'en faisait toujours quand j'étais petit. Dédicace à ma mamie Lucette. Et moi aussi.
Mio aussi. Ah bah voilà, on est peut-être cousins. Moi je suis partie sur un... Saint-Jacques. Ouais, sur de la Saint-Jacques. J'avoue, c'est pas aussi... gourmand. C'est bon. Aussi gourmand que vous, mais c'est très bon, ouais. C'est le dessert qui fait plaisir. Je rappelle un peu le fond des chiottes de camping. Tu manges pas ça? De camping. J'adore. Oh oui, du coup il a bouffé le mien. On assiste à un feu d'artifice. Deuxième journée, les Bretons en cassis. Non, à Gros du Roi. À Gros du Roi. On a changé de destination. Oui, c'est vrai. Voilà, bon, on bouge avec le van, hein. C'est ça l'avantage, hein. En fait, ce matin, on était réveillés par le petit déj. Bah, en fait, je pense qu'on est juste au-dessus, ouais. Bon app. Ouais, on va aller manger, on va aller prendre le petit déj, et puis après, on va peut-être aller voir ses bouts à tout, hein. On va dire salut, c'est Bou, comment vas-tu? C'est Pidou. Oh putain. I want a little wave. Oui, va être en mode. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te tatoue, Pidou? Ouais. Entre les seins, d'accord. Ah non. Bon, allez, on y va. On va aller manger un bon petit déj, ça va faire du bien, là. Généralement, les petits déj d'hôtel, ils sont pas mal. Faut un outfit, ouais. Quasi comme hier, ouais. Bon, on dirait que je vais faire du sport, quoi. Ouais, voilà. Bon, on est carré, là. Outfit d'été, quoi. Par contre, là, dans la chambre de Pouzy, ça pue, hein. Si, si. Ah, si, ouais. Ça change un peu. Oh là 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 là. Petit déjeuner des familles là. Qu'est-ce que tu vas prendre? Moi, tu me connais, je pense. Mais ça, c'est le truc le moins écologique possible. T'as une petite cuillère dedans, mais. J'ai déjà, elle m'en a fait plein quand j'étais petite. Les Bretons vont se mettre bien. Bon appétit. Donc, un petit chocolat chaud. Depuis quand on prend des œufs nous le matin? Depuis qu'on me l'a proposé il y a 5 minutes. On fait des petits tests, hein. Clairement. On est petit déj inclus. Mais en vrai, il est bon, il est pas mal, hein. Ça. J'adore. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team sucré-salé le matin. Nous, on se régale. On part de l'hôtel, bah du coup c'est bon, on n'a rien oublié. Direction le van chez Sebou. T'es rapide. Pas trop. J'ai choisi l'endroit. Où? Bah genre là, je les ai mis là. Ouais. Bah je vais le faire là. Là? Ouais. Enfin, okay. Plus ici là. Comme d'accord. Ça, Et toi, t'as choisi l'endroit? Non. Lui, c'est au feeling de toute façon, lui, c'est un petit brouillon quoi, son bras. Un cahier de brouillon. Mais tu sais que moi je vais me faire dégommer la gueule. Hein. Mais en vrai, je suis un petit soleil. Qui dit rayon dit. Chacun est maître de son corps. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Bah oui, non, mais c'est vrai. Mais je sais qu'il va pas trop kiffer. Ouais. Mais Chatouni, je suis ton petit rayon de soleil. Il fallait que je te le montre pour toute la vie. Parce que je t'aime fort. Allez, des bisous, hein. On est devant chez Septatou là. Ah, mais c'est fermé. Arrête tes conneries. Il t'a dit quelle heure? Bah, il avait dit 10h30. Je vais l'appeler. Il pensait que c'était une blague. C'est pas une blague, hein. Bah ouais, je lui... Ah, allô Seb, t'as tout? Ouais, bonjour. Oui, salut, c'est la dame je qui vous a... Hier, non? Oui, c'est moi, je vous ai appelé hier. Je reconnais à la voix, ouais. Bah en fait, on est devant votre atelier. Ouais, j'arrive, parce que j'ai l'imprimante qui a planté là, et du coup, je suis allé en acheter une, là, j'arrive. Ah je ouais. Dans 5 minutes. Parfait, c'est beau, arrive. Moi je veux un endroit qui se voit pas trop, un peu subtil. Parce que elle va le faire sur le bras, mais moi je veux pas sur le bras. Tu me conseilles où? Ouais. Là où tu mets de la ouais. Là on met des fringues quoi. Bah écoute, on va réfléchir et puis on verra bien. Hein. On va jouer la symétrie. J'ai mon petit 100% là, je vais faire le soleil de l'autre côté. Ça va être beau hein. À peau sur le bras. Ouais. Et Bouzy. Ah je sais pas. Sur le bras aussi. On verra. On est des youtubeurs. Et en gros, là, on filme un peu toute notre journée. Et là, on avait du temps et on s'est dit, on va se faire tatouer par ses bouts, quoi. C'est vrai? Tu sais pourquoi je veux faire un petit soleil? Parce que moi, je suis un vrai rayon. On t'a déjà dit ou pas, non? Oui, tout le temps. Bah, c'est ce qu'elle croit, mais elle est chiante quand même. On rigole, oh, c'est bon. Hey, croquer la vie à plein dedans. Hein. T'es hystérique, mais t'as 200% là. Là, mes batteries sont rechargées à fond. Comment tu te sens? Bien. Bon, on s'en fout, hein. Bon, oui. Des bêtises qu'on fait. Bon, c'est pas des bêtises. Bon, la taille, c'est quoi? Ah ouais, quand même. Bouzy va faire un soleil, mais son soleil, il est stylé. Un vrai petit soleil avec des petites vagues et tout. En vrai, c'est stylé, hein. Ouais, c'est vrai. Ça te colle totalement. Tout se passe pour le mieux. En vrai, je fais trop la maline alors que moi, je suis une vraie... une petite flippette. C'est Bou, il va mettre la petite aiguille, je vais faire... Aïe, 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 aïe. Quasi au même endroit que mon 100%. Il est là. Waouh. Salut les gars. Quelle est la différence entre un gîte... Attends, c'est quoi ma blague? J'ai pas la blague. Nickel. C'est bien, non? Ouais. Tu vas souffrir. Oui. Ça va faire beau, hein? Je vais douiller, là. Ouais, j'avoue, tu vas douiller parce que c'est de la peau... Ça, c'est du gras, ça. Pas du gras, c'est du muscle. Touche.
À l'époque, je mettais mes paupières à l'envers. Ah, ça me dégue. Ouais, ça me dégue. Tu faisais peur. Les gens, ils me disaient, ouais, tu vas rester coincé comme ça. Je faisais ça, je faisais peur aux gens. Ah, ouais. Mais je peux plus le faire. Alors, ça fait beau. Petit soleil, quoi. J'ai sué mes grands morts. J'ai sué, hein, même sous les cheveux et tout, j'ai sué. Bah là, il est emballé. Ah oui. Bon, maintenant, ça y est, c'est officiel, je suis un vrai rayon de soleil. Ah, un pot. Mais les côtes, ça a moi, nickel. J'ai envoyé un petit message à la doc, il m'a dit que c'était super mimes. Bon, j'aimerais bien que le mien dise pareil, hein. Baby, n'oublie pas que je t'aime très fort, hein. À ne pas oublier ce que j'ai vu. Oh, je suis morte. Le doc, quoi. On était allé acheter des crèmes en attendant. Alors ? Ça a été ? Ouais. Bah parfait. Moi, ça a fait mal. Hein. Arrête. Ouais, ça a fait mal. Ça a été vite. Oui, on a eu le temps. La pharmacie, mais c'était minutes. À 5 minutes. Hein. Ah ouais. Et bon, figurez-vous, j'ai reçu une réponse de Val. Bon bah là, tu l'as vu la réponse ? Ouais. Il m'a dit, dis-moi pas que c'est ce que je pense. C'est pas beau. Autant le 100% ok, mais là c'est nul. Demain, je dors sous le canapé. Ça va, il a dit Kiki. Oui, Kiki, c'est en mode. Ça veut dire que il t'aime encore, mais oui. Un peu moins. Allons du coup au backstage du tournage de Ici Tout Commence. Vous verrez tout sur la chaîne d'Apo. Moi j'ai pas forcément filmé parce qu'en plus c'est moi qui cadre Apo. On se retrouvera probablement en fin de journée pour que vous puissiez un petit peu voir nos bêtises de fin de journée quoi. Mais si jamais vous voulez voir un petit peu le cœur de la journée, c'est rendez-vous en description sur la chaîne d'Apo dès que sa vidéo sortira. Non mais je vous ai pas abandonné de la journée hein. C'est juste que là il est 19h10. Et on avait rendez-vous à midi, et depuis midi on est en route. Je suis exténuée. On nous a pris une chambre d'hôtel, du coup j'ai hâte de voir un petit peu l'hôtel que Ici Tout Commence nous ont réservé. On a réservé une chambre d'hôtel parce qu'en fait on est les nouveaux acteurs. Et on commence à partir de la semaine prochaine à tourner. Vous êtes de nouveaux acteurs? Ouais, tout à fait. Tout ces affaires. Bah, elle, oui, actrice. Donc, on a des nouveaux rôles. Non, mais ouais. Du coup, voilà, c'est. Ouais. Enchantée. Bravo à vous, félicitations. Parfait. Je suis de très près aussi quand je peux, genre à le replay quand. Bah, c'est parfait, hein. Alors, quel rôle vous aurez? Vous allez le dire? Ouais, c'est pas grave. Je me rappelle de ouais, vous. Ouais, c'est confidentiel. Dans le prénom, le prénom Pidi. Comment Pidi? Pidi. Ouais. Pas Speedy, Pidi. Oui, c'est comme Pidini quoi. Et puis vous? Apolline. Ah, c'est plus facile à retenir. C'est ça, ouais. Et vous? Jean-Marc. Oh, bah c'est facile. Oui. Ok. Vous serez les nouveaux élèves de la première session. Ouais, voilà. C'est ouais. Ça. T'es con, Pidi. Putain, mais Natou, comment j'ai envie de chier, putain, depuis chez vous? J'ai chié bah, dans les toilettes de Ici Tout Commence. Ah oui. T'as chié là-bas? Ouais. L'auteur. Non. Tu sais qu'elle a pas arrêté de ton sous la journée. Oui. Tu sais qu'il y a des. Non, mais avant j'entais le ton, je vais t'as pété. Mais c'est elle, hein. Tu souviens. Quand tu sentais caca, c'était elle, hein. Mais hé, t'as pas senti, c'est pas possible parce que j'ai fait caca à la boutique. Ah, quand on. Arrête. Quand on faisait les gâteaux, là, et que j'étais venu vous voir. Impossible de respirer. Nickel. Merci. C'est charmant. Ouais, très charmant. Louis XIV. On est carrément dans le truc, là. Ah ouais! Oh. Oh, mais c'est une vraie suite là! Depuis que ça tourne avec Ici que tout commence! C'est quoi? Je pensais que c'était une salle de bain. Ah oui, c'est un placard? Ouais. Pourquoi il est marqué sur le truc bonjour? Ah bonjour monsieur Morel. Toute l'équipe de la villa est heureuse de vous accueillir et vous souhaite un agréable séjour. En vrai, ils se sont pas foutus de notre gueule. C'est vrai que c'est un peu vieillot l'ambiance, mais ça reste ouais. Cosy. Mais c'est grand de ouf! Ah, ça me fait penser un peu à l'ambiance Villa des Crotons. C'est que ça, c'est une de mes douches de rêve. Genre, en fait, tu peux passer des deux côtés ah, et ouais. T'as le truc au milieu. Oh, il y a un bain. T'adores les bains vides. Ah, j'adore. Moi, j'ai pas pris de bain depuis des années. Et en vrai, c'est calme. Elle est spacieuse. Je trouve ça trop grand pour un placard. Ils auraient dû faire la salle de bain comme ça avec les doubles portes. Un placard avec une porte. Tu vois, c'est vrai. Ouloulou. Est-ce que tu veux de l'eau? Citronade, tu veux une citronade? Moi je vais prendre de l'eau s'il te plaît. Ah mais on est bien là. Deuxième soirée. L'hôtel franchement il tue hein. Et le lit? Wouhou. Ça va, il est confort. On dort encore à deux. Oh, oui. Tu vas encore prendre toute la place et moi je vais tuer tes mots. Ouais non. En vrai les petits jours comme ça c'est deux petits jours mais qui font grave du bien. T'as pas fait du bien au moral? Si, de ouf. Au moral et tout, genre tu vas c'est mieux. Vraiment... Ça fait du bien de se retrouver. Ça fait du bien de partir entre potes. Ouais, ça. C'est ça. Et tu sais que bah là, tu vois, on fait des conneries, on fait un peu nimp et tout, mais genre zéro jugement. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est vrai. T'es on en se... mode. On se rend pas la tête. Ouais. Tu on fait ça, ok, on fait ça. Tu veux pas faire ça, bah t'inquiète, tu fais pas, ouais. On s'en fout, tu ouais. Vois. Puis quand je suis avec vous, je m'en bats les couilles du regard des gens. Ah. Tu vois, genre t'es 100% nature, et même s'il y a des gens qui te regardent en mode ils sont chelous. Ouais.
Mais ouais, on c'est trop bien. Best life. Et franchement, non, ça m'a fait trop du bien. On a passé du temps ensemble et tout. Et on a quand même filmé, on a fait des petites stories et tout. Mais ça nous a... Hier, c'était trop cool. Ah, ouais. Aujourd'hui, c'était trop cool, mais épuisant. Mais ça permet un petit peu de déconnecter. À peau soleil et pied de soleil. Et en vrai, il est beau. Ouais, toi, en vrai, il fait stylé, hein. Donc, il m'a dit, ma meuf, c'est un cahier de brouillon. J'ai dit, je rigole. Ah oui. Dans un an, je rigole, il y a toujours un fond de vérité. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais on va se poser tranquillou. Je pense qu'on va aller manger au resto ce soir. Mais je pense que je vais pas forcément prendre ma cam. Et puis bah après, retour à Rennes demain matin. Hein. Bouzy a dit quoi? On se lève aux aurores, on fait la route d'une traite, on s'arrête deux fois et ciao. Je peux vous dire que la Bouzy est pressée de rentrer sur Rennes. Hein. Mais c'est sa Bretagne, hein, c'est normal. Hein. Mais ça fait je viens de rentrer aussi, tu vois. Genre, on savait très bien que c'était 2-3 jours et on rentre. Ah ouais, bah après, Bouzy, ça fait un moment qu'il est parti, tu vois. Alors que nous, tu vois, ça nous a vraiment un peu déconnecté et tout. Hier, on est en train de vivre notre best life en faisant du pédalo. Tu vois. Mais je pense que vous avez un bête de vlog hein. Et même nous bah du coup on a des et bêtes de souvenirs. Désolé par avance si c'est long mais dites-moi. Ouais mais ça fait du bien parce que tu sors pas beaucoup de vidéos longues. Ouais c'est vrai. C'est toujours 15 minutes ou 20 minutes. Ouais c'est vrai. Là à mon avis ça va au moins durer 30 ou 40 minutes hein, ouais. Mais c'est bien comme un vlog de Val. C'est vrai c'est ça ouais. Dites-moi si vous kiffez ce genre de format. Bah demain on rentre à la maison bah retrouver la famille. Dernière soirée en vacances. Les Bretons dans le sud, petite coupette de champagne qui nous ont été... Je vais pas montrer mon tatouage. Je vais vous montrer le soleil de petite Bouzy. Pour la dernière soirée avant... Dernière soirée. Je sais combien de temps. Bah oui, on se refait ça soon, hein. C'est ce qu'on disait avec Apo, c'était cool. Hein. Moi j'ai adoré. Hein. Merde. Oh putain, attends, faut couper. Monte ton tatou un coup. En vrai, il est beau. Hein. En vrai, ils se font grave bien dans la masse. Voilà. Est-ce que t'en as un que je trouve le plus moche? Bah ils ont tous une petite histoire quoi. Bah la table de ping-pong. Hein. Elle est saoule. Hein. En vrai, elle est saoule. C'est Bastos qui a fait ça. Tu voudrais faire du laser? Non, mais non. Non. Faut jamais faire ça. Ah, c'est un souvenir. C'est un background. Non, mais c'est vrai que bah, c'est un petit souvenir quoi. On se dit que ben on est jeune, on n'a qu'une vie, on fait ce qu'on veut, c'est quand même malgré tout réfléchi. On est grand, tu vois, enfin. Là, je dis un petit coup dans le nez quand on a pris cette décision quoi. Majeur, vacciné. C'est bon quoi. Allez, c'est dit, qui c'est de pétasse là. Ça, ça arrache la gueule. J'adore. On est à Aigues-Mortes, les amis. C'est une ville où il y a des remparts, comme Saint-Malo. Ouais, comme Saint-Malo. C'est mignon, hein. Mais c'est quand même moins beau que Saint-Malo. Mais c'est stylé. Mais franchement, c'est ce que je disais. C'est, franchement, ça m'a fait trop du bien de ces jours-là. C'est le rêve. Franchement, avoir un van, c'est vraiment la vie de rêve. Tu vas où tu veux, quand tu veux. En plus, tu conduis bien. C'est vrai que Bouzy, tu conduis bien. Fais attention. T'as pas un bon Bouzy, quoi. Et tout, Ouais. Ouais, des fois, on se retrouve dans des. Le pire, c'est à l'île de Ré. Hein. Je me suis retrouvé dans des chemins. Waouh. Ça fait peur quand même. Ah, c'est la dernière soirée. Ouais, quoi. Dernière soirée. On profite. Bah c'est le grand départ, hein. Il est 6h du matin, on fait le sac, hop hop hop, direction le van, la Bouzy nous attend, on file à Rennes. Dites-nous si le réveil sonne, vous êtes toujours à vous rendormir de ouf. Et là j'aurais pu me rendormir mais c'est ouf. Hein. Ah ouais moi aussi, hein. Mais là la journée va être longue. Non mais la Bouzy il nous dit 6h, on va sonner chez lui à 6h20, il dormait encore. Regardez, du coup là il fait le pressé là, en mode vous êtes prête? Ça fait une demi-heure on t'attend là. On rentre à la maison. Non mais je vous ai dit 6h parce que je pensais que vous alliez mettre du temps à vous préparer. Ah bah non, hein. Moi t'as vu ma gueule, je me suis levée, je vais te dire que j'ai sauté du lit quoi. Enfin, rentrer à la maison ça fait du bien et on a de la compagnie. Regardez, doucement, il y en a plein. Je pars, il y en a deux, je rentre, il y en a quatre. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est pas... Oui, qu'est-ce qui se passe là? Petit vlog terminé, j'espère que c'était pas trop long pour vous et que vous avez kiffé ce genre de format, dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à mercredi prochain. J'ai adoré ce petit moment avec vous, avec Apo, avec Bouzy, c'est des bestes. Je vous mets de toute façon le vlog d'Apo, comme je vous ai dit en description, dès qu'il sort vendredi prochain. Des bisous, prenez soin de vous. Ciao, à mercredi.